Bon, ben bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis au bord de l'eau, je pars pour une petite session toc-nymphe. Je suis en guidage demain, donc l'objectif, c'est de prospecter des zones, vous faire quelques poissons, trouver les nymphes qui fonctionnent, trouver le positionnement des poissons en perspective des journées de guidage que j'ai dans les semaines à venir. Donc on va se faire une secteur en grande rivière, moyenne grande rivière, on va dire. Toc nymphe du coup, donc il y a peu d'eau, les eaux sont pas trop trop froides, la fonte de neige n'a pas encore trop démarré, il fait beau, grand soleil, donc ça va être agréable, en espérant qu'il y ait quelques poissons qui soient dehors. C'est l'après-midi, donc il y a quelques éclosions, il y a quelques insectes, il n'y a aucune raison que les poissons ne soient pas là. Donc on va essayer de voir, on va essayer de faire quelques poissons si c'est possible. Allez, c'est parti! Vous voyez bien, allez, j'attaque, je suis parti avec 3 nymphes. J'ai mis une gascogne, une petite marron ribe, et au-dessus, je crois que j'ai une petite grise. On va essayer de faire là. Hop là, si je fais des lancers comme ça va pas le faire. Poisson. Oh, c'est petit ça. Ah non, c'est pas si petit que ça. Ça gigote, ça gigote. Oh, elle est en aval. Allez, arrête-toi. Passe en amont. Voilà, elle est en amont. Je peux tirer dessus. Elle va tout m'emmêler, je sens. Elle a pris sur la nymphe la plus en haut et elle m'a fait un sac de nœuds. Non, elle a pris la petite marron en ribe. Ah non, elle a pris la grise tout en haut. Hop. Bon, un poisson bien gras, sauvage, mais on sent qu'il y a une petite couille dans la génétique là. C'est loin d'être un poisson de la rivière, niveau génétique. Bon, bah, j'ai gagné un montage. Je suis bon pour refaire tout. Bon, c'est reparti, je vais faire un montage. Oh, c'est gros. Ça se comporte comme une grosse. C'est un voilé. Ça essaie de me faire les cailloux. Je sais pas si elle est grosse, mais. Non, elle est pas grosse. Elle est pas vilaine, mais elle est pas grosse. Oh, elle s'est saucissonnée, elle. Tac, 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 tac. Bon, voilà, un beau poisson qui a la queue un peu abîmée, mais c'est un poisson sauvage. On dirait, en tout cas.
elle est belle. Elle a la patate cette petite là. Et elle a pris la olive. Calme-toi. Tu vas repartir. Hop. Grassouillette celle-là. Hop. Grassouillette. Tac. Voilà. Un beau poissonnet. Allez, hop. Repart. Putain, fallait aller la chercher celle-là. Au fond là, de la grosse veine. Oh, je la perds. Je la perds. Poisson. Je fais exprès, c'est pas celle-là qui a gobé. Hop là. J'ai tiré vraiment fort dessus. C'est juste pour l'extraire de la zone parce qu'il y en a une autre qui a gobé. C'est pas celle-là. Hop. Le petit poisson qui a pris sur là, toujours la olive. Voilà, je suis le petit poisson. Cool, fait plaisir. Il fait plaisir celui-là. Elle a tombé. Elle est venue la chercher comme pas possible. Hop là. J'essaie de les extraire le plus vite possible de la zone. C'est tombé dans l'eau. Elle est montée la chercher la nef. Ah, trop drôle. Je l'ai vu monter. Bon, j'ai une nef qui fonctionne, a priori, vu comment elle est montée en surface pour venir chercher la nef. Poisson. Oh, elle est plus belle celle-là. Oh, sors de là. Fais pas peur à toutes les autres. Allez, arrête-toi. Mais qu'est-ce que t'as décidé de faire toi? Pourquoi tu descends là-bas? Ah, t'es insupportable toi. Bon. Mais qu'est-ce qu'elle me fait là? Oh non! Elle a décidé de descendre. Ah, c'est la merde là. Arrête-toi! Oh non! Bah là, je suis bien emmerdé. Bon bah, je suis niqué. C'est là pour la suivre. Oh non, allez. Ah, il y a de l'eau en plus là. Je passerai pas. Hein. Ouais, bon, allez là. Qu'est-ce que je fais? Ah, je suis niqué là. Ah, je suis à la fin de la bobine. Ah, que je casse. Hop là. Allez, on remplit la bobine. Elle m'a niqué, mais... J'ai pas voulu tirer dessus, elle était pas énorme, mais elle m'a fait la nique.
J'ai pas pu la suivre. Allez, c'est décroché, parfait. Si je l'ai encore, j'ai de la chance. Oh putain, c'est le pick-up qui s'est ouvert. Et qu'est-ce qu'elles ont à toutes sauter comme ça? Je la retire même pas dessus. Blanc, blanc, blanc. Complètement frappadingue cette truite. Hein. Ah, ok. Tu as pris cette nymphe là. D'accord, ma petite. Pourquoi pas. Du marron. Et t'as réussi à m'en mêler tout là. Yes, j'ai le petit poisson. Donc je suis revenu sur la même zone que tout à l'heure pour la pêcher avec des nymphes différentes. J'ai gardé celle qui a marché, mais j'ai changé les deux autres. Bah, pour essayer d'autres trucs, pour voir s'il reste des poissons actifs. Puisque au niveau de la tenue des poissons, j'ai tout fait là. Quoi. Donc il en reste. On va continuer, je vais continuer à le pêcher. J'ai mal pêché le bas tout à l'heure. Je vais voir, je ne l'ai même pas pêché en fait. Donc je vais bien faire le bas, passer le vraiment passer proprement avec des nymphes différentes de tout à l'heure. Essayer de voir ce qui se passe. C'est marrant.